Il s'agissait de la dernière date de sa tournée. Mardi 15 février 2022, Arnaud devait se produire sur scène à l'ancienne Belgique, à Bruxelles. Hélas, selon plusieurs sources contactées par le site belge HLN, le chanteur a été contraint d'annuler son dernier concert et cela serait sûrement dû à sa maladie. En novembre 2019, un cancer du pancréas lui avait été diagnostiqué. En décembre 2021, c'est dans les colonnes du Parisien qu'Arnaud avait confié « J'ai eu une vie formidable, je n'ai aucun regret. J'ai eu de la chance, j'ai vu le monde entier, joué partout, au Japon, au Vietnam, aux États-Unis, dans toute l'Europe. Je ne peux pas me plaindre. Point, j'ai des bons copains et copines, des enfants, deux avec une Française, que je vois souvent, un qui vit dans le sud avec sa copine, que des garçons. » Malgré son traitement, le chanteur assurait être en pleine forme. Je ne suis jamais fatigué quand je fais de la musique, je suis fatigué quand je ne fais rien, avait-il indiqué avant d'ajouter en évoquant ses projets, je suis en train d'écrire. Je vais faire un disque avec. Peut-être que je rentrerai en studio la semaine prochaine. J'ai écrit sur la vie, l'être humain m'inspire. J'écris aussi une pièce de théâtre. C'est une première. C'est inspiré d'une chanson sur un couple végétarien, dont la femme rencontre un charcutier, spécialisé dans les saucisses de Maurice. Enfin, le chanteur avait glissé, la musique m'a toujours sauvé la vie. Les concerts sont importants pour moi, autant que pour le public. Hier est mort, demain n'existe pas, je suis vivant aujourd'hui. Je veux être positif et profiter de la vie, en tenant compte de la situation. Arnaud, la musique m'a toujours sauvé la vie en février 2020, c'est dans les colonnes du magazine Soir que l'artiste avait évoqué son cancer, détecté quelques mois plus tôt. Il avait révélé alors, début novembre, ma copine m'a dit que j'avais le teint jaune. Je suis allé chez mon médecin traitant et il m'a fait une prise de sang. Peu de temps après, j'ai reçu un coup de téléphone. Je devais me rendre à l'hôpital de toute urgence. Sur place, ils m'ont diagnostiqué un cancer du pancréas à un stade précoce. Passionné de scène, Arnaud avait ajouté, « Les gens qui savent que j'ai un cancer se demandent pourquoi je suis sur scène. » Mais il faut savoir que c'est la scène qui me donne le plus d'énergie. Quand je sais que je vais jouer, je me sens galvanisé. Loading widget.